Raconte-moi des histoires, de belles, de belles, de belles histoires. Dis-tu m'emmènes tout là-haut, au pays des mots. Qu'est-ce qui pique, pique, pique? Qu'est-ce qui pique quand on le prend? C'est mon hérisson, mesdames, c'est mon hérisson. C'est mon hérisson, mesdames, c'est mon hérisson. Qu'est-ce qui croque, croque, croque? Les pommes et les vers blancs. C'est mon hérisson, mesdames, c'est mon hérisson. C'est mon hérisson, mesdames, c'est mon hérisson. Qu'est-ce qui se cache et qui s'endort quand il fait bien froid dehors? C'est mon hérisson, mesdames, c'est mon hérisson. C'est mon hérisson, mesdames, c'est mon hérisson. Des petits pas courts, des petits pas pressés. Voilà hérisson qui trotte dans les sentiers. Le nez en l'air, il cherche et fouille de tous les côtés pour trouver de quoi manger. Soudain, juste devant lui, une belle pomme! Pam, Papapapam! pam, pam, pam. Une pomme bien ronde, bien mûre, bien grosse! Une pomme si belle qu'elle ouvrirait l'appétit de n'importe qui. Voilà de quoi me régaler, se dit Hérisson. Et... Hop, il pousse de ses pattes, il pousse de son nez la grosse pomme derrière un rocher. C'est que les gourmands ne manquent pas dans les bois. Alors, pour manger tranquille, Hérisson préfère manger caché. La belle pomme, dit une voix. Petit lapin plein de poils, petit lapin plein de poils, petit lapin plein de poils partout. Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous, petit lapin plein de poils partout. Papoum, 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 des petits bonds tranquilles, des petits bonds en coton. Voilà lapin qui n'était pas loin et qui vient. C'est à toi, ça? Oui, la pomme est à moi, répond Hérisson. Papapapam. Pam, 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 pam. Ça donne faim. Y aurait-il un morceau pour moi? Hérisson, embarrassé, réfléchit, remue sa tête, remue son nez. Mais sa pomme est assez grosse pour être partagée. Coupons-la en deux, il y en aura bien assez. Et hop, tous les deux poussent des pattes, poussent des oreilles et du nez la grosse pomme derrière un tronc d'arbre pour manger caché. Et oui, à cause des gourmands, vous vous rappelez? La belle pomme! Moi, je suis un écureuil qui grignote toujours. Moi, je suis un écureuil qui grignote toujours. Des graines de toutes sortes et surtout des noix bien pleines. Oh, je grignote beaucoup. Des petits pas rapides, des petits pas qui volent. Voilà écureuil qui glisse jusqu'au sol. C'est à qui ça? La pomme est à moi, répond Hérisson. Pom, pom, Papapapam. pom, pom. Ça donne faim. Il y aurait-il un morceau pour moi? Hérisson, embarrassé, remue la tête, remue le nez. Mais sa pomme est assez grosse pour être partagée. Coupons-la en trois, dit-il. Il y en aura bien assez. Et hop, tous les trois poussent des pattes, ils poussent des oreilles. De la tête et du nez, la grosse pomme derrière un tronc d'arbre pour manger caché. Et oui, à cause des gourmands, vous n'avez pas oublié. La belle pomme! À menu pas de souris, trotte, trottit, trotta, souris, souris, sept, trotte, trottit, trotta. Trotte, trotte, sans souci, trotte vers... Des petits pas légers, des petits pas de brindilles. Voilà souris toute excitée qui sautille. C'est à qui ça? La pomme est à moi,
répond Hérisson. Papapapam. Papapapam. Ça donne faim. Y en aurait-il un morceau pour moi? Hérisson, embarrassé, remue la tête, remue le nez, mais sa pomme est bien assez grosse pour être partagée. Alors, coupons-la en quatre, dit-il. Et hop, tous les quatre poussent des pattes, poussent des oreilles, de la queue, de la tête et du nez, la grosse pomme vers le milieu de la clairière pour manger sans se cacher. Attendez, dit le lapin, allons chercher chacun nos provisions pour les partager ensemble. Tap, top, tap, top, tap, top, tap, top. Trotti, trotta, trotti, trotta, trotti, trotta, trotti, trotta. Papoum, 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 papoum. Et tati, tati, trotti, totti, 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 totti. Papoum, 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 totti, totti, totti. Tap, top, tap, top, tap, top, tap, top, tap, top. Les voilà revenus. Miam, miam. Un petit vergoulu qui passait par là a couru et en profita lui aussi. Tomate, 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 tomate. Poireau, 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 poireau. Navet, navet, navet. Poivron, 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 pois, poivron, pois. Courgette. Petit pois. Pom, 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 pom. Oh, 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 aubergine, 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 aubergine. Chou, 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 bidouillou. Carotte, 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 carotte. Pardon. Fouic, 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 fouic. Radis. Puf. Radin. Raconte-moi des histoires de belles, de belles, de belles histoires. Dis-tu, m'emmènes tout là-haut, au pays des mots. Histoire imaginée à partir de l'album Le Petit Hérisson Partageur de Zemanel et de l'album Grosse Légume de Jean Gourounas. Adaptée, racontée et mise en scène par Céline, bénévole, Valérie, bibliothécaire de la médiathèque de Mézières-sur-Couesnon. À bientôt! À bientôt!